This is what I'm talking about Las Vegas. I love Las Vegas for that. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un très beau jour. Je vais m'occuper de mon vélo. Faire un petit peu de vélo. Voilà. Regarde ça. C'est pas bien ça. J'ai un problème là. Là. Vous voyez. Il me faut de l'air. I need air. Sancho, I need air on my tires. I want this bike. Je veux ce vélo à 10 000 $. Je le veux. This is what I'm talking about Las Vegas. I love Las Vegas for that. So when you pedal, this will assist you in the pedal. So let's say you find a big hill you can't ride up, push this button. Yeah. And it starts walking by itself. Okay. You push this button, you get a dropper. When you start riding, you get a dropper, comes back up. Do it again because yeah, man. Yeah. Guys, you should see that. So then when you head down the street, just start pedaling. These are hydraulic brakes, so super good. Don't even worry about the front. Okay. Rear. Just do rear only. Okay. If you want to go faster, that one. If you want to go uphill slower, this one. Okay. But the more weight you put on these pedals, the faster you're gonna go, dude. Pedal up and go down, pedal up and go down. So you can do 3 or 4 rides with the amount of energy it took you to do 1 on a normal bike. So you can just ride, your ride goes further and more fun with electric. It's only in Las Vegas in the store. Yeah. I'm telling you guys, this is just amazing. How much it cost? This one's up $5,900. $5,900, man. It's the best. Thank you. Yeah, see you man. Soon. Talk to you yeah, soon. I'll see you again. Finish good. Okay. Thank you. This is what I call Las Vegas. This is amazing. Oh, I had just a great time. I just came for that and I finished doing some electric bike crazy. Oh, c'est ce que j'appelle Las Vegas. C'est trop, c'est magnifique. J'étais venu simplement pour gonfler mes pneus là. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, et je me suis retrouvé à faire du vélo électrique là à 7 000 ou 10 000 dollars le vélo. Franchement, putain, qu'est-ce que j'adore ma vie. Ça, c'est la chose là. Voilà pourquoi j'adore ma vie, voilà pourquoi j'adore les États-Unis. J'adore la France, mais j'adore les États-Unis parce que c'est encore un autre style. Les gens sont super gentils et voilà, et ils sont beaucoup dans le business, c'est-à-dire qu'ils vous font essayer les vélos. Même si le vélo il fait 7 ou 10 000 ou 15 000 dollars, comme vous l'avez vu, il va vous le laisser. Il va vous le laisser parce qu'il sait que tu peux toujours le louer ou il sait que tu peux toujours l'acheter. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le produit de consommation, quoi. Ça c'est l'Amérique, j'adore. Bon, bah allez, c'est parti. Je vais installer mon vélo et c'est parti là. Allez, vous restez avec moi les gars. Peace. Donc voilà, une merveilleuse soirée à faire du vélo. Bien sûr, je fais du vélo, je filme, je danse, j'ai du fun, la vie c'est super, c'est comme ça. Regardez la lune, je sais pas si vous voyez la lune. Non, la voyez pas.
je crois pas que vous la voyez. Donc on va aller au parc, on va faire le tour du parc en vélo et voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que la France va bien, j'espère que la politique en France va bien aussi, j'espère que tout le monde va bien quoi, c'est ça le but du jeu. Et malgré ce qui se passe, on s'en fout, on avance, on fait nos trucs quoi, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Quand vous voulez quelque chose dans la vie, faites-le, c'est tout. Regardez la dame là, c'est pas beau tout ça? Elle fait comme si elle courait, mais en fait elle marche. Mais c'est pas grave, elle fait quand même du sport. Et ça j'adore. Sorry. Hi. Hey. Hi, how are you? Good. Good night. Ah, super gentil les gens, Las Vegas. Magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça sent les pop-corn là. Oh là 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 là, ça sent les pop-corn. Hi, sir, would you like to try for samples? Yeah, please. This is amazing. Ça, c'est Las Vegas. So what is that? This is the pita bread. The pita bread. Yes, you can taste with my the best hummus ever. Oh, try. Yeah? Let's go try spicy. Yeah, a little bit. Not today, sorry. Yes. But maybe the another week and I will have... Let's go try the spicy. Mm. A little. When it's too spicy, I go crazy. Yeah. When it's spicy a little bit, I'm okay. Yeah. Quand c'est trop spicy, c'est pas bon pour moi. It's nice. Wow, this is, oh my gosh. This is, thank you. Du miel. So, if I'm not saying this next word, I'm losing credibility in everybody's eye, and that's the big O, organic. All right. Got 200 hives here in, we've got some in Centennial Hills and Logandale, it's all Clark County. So we're getting the local bees, the local pond, helps with that local hay fever. Try the clover. This is all based, the different color, texture, taste is based on the flower silver. That's America's honey. Oh my God. Would you ever seen a more photogenic, alluring, or handsome honey than that? I just love pouring this stuff, the way it ripples. It's like a sci-fi movie where you go through the time warp. Yes. Time warp portal. Beautiful. It's not. This comes from a tree. That tree is the Russian olive. Now that is the... Right, the Russian olive tree is in Vegas. As I said, the most pollinous, I love this one, obnoxious tree in the valley, but it makes great honey. It's sharp, but not sweet. The one and only orange blossom. Orange blast. Yeah. Precious moment. That's right. Yeah. Stuff there on the zing meter. Boom. It's crazy good. Mmm. Pretty good. Don't forget movie night too. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça c'est Las Vegas. C'est juste, ça vaut vraiment le coup de vivre ici. Tout est pas normal. On vous fait goûter des choses. Là, je suis supposé faire du sport dans un parc et là, je me retrouve à manger du miel, des pop-corn et des sandwichs. À la fin, ça va être un truc de fou. Oh, j'adore Las Vegas, je vous dis là. Vous devriez venir me voir, me visiter. Vous voyez qu'on a le marché ici. On a le marché ici aussi à Las Vegas, c'est pas que chez vous en France. Moi je vous le dis, regardez derrière moi. Putain, c'est pas beau tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On a tous les pommes, les poires, tous les pêches, tous les légumes. Bon bah voilà quoi, après le miel, après les légumes et les pop-corn, on va retourner un petit peu au sport. Bah vous voyez derrière moi là, il y a toutes les familles en fait qui font des barbecues dans le parc. C'est magnifique. Voilà, on a deux terrains de tennis. Là-bas, ils font du basket. Et là-bas, un terrain de volleyball. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. C'est parti, mon kiki. Voilà, c'est vraiment de la folie, j'adore. Ils ont... Aux États-Unis, ils ont inventé un nouveau jeu là, qui cartonne, et qui va bientôt venir en France et en Europe. Et je vous montre ça, c'est de la folie. Vélo. Alors là, je vous le dis que ça roule bien. En plus la nuit comme ça là, c'est trop bien là. Attends, je vais chercher un spot de lumière comme ça, on pourra bien parler et communiquer ensemble. Bon, ça c'est mon petit jour à moi où je me fais du bien, tranquille. Franchement, je kiffe un peu la vie, tout seul,
avec mon vélo là, super bien. En fait, je suis trop content. Je suis trop content de vous présenter mon vélo. Franchement, je suis trop content. J'adore. Regardez les jantes. Regardez ça, rouge. Ah ouais, j'adore le rouge. J'adore Superman. J'adore tout quoi. C'est trop beau. Fait super bon ici. Donc, je vais préparer mes idées pour les prochains vidéos là que je vais mettre sur YouTube en Optical Power. J'espère que vous allez subscribe, d'accord, vous allez vous abonner et vous allez liker ma page parce que je veux qu'en France et partout dans le monde, comme ça va bien booster mon Optical Power. Voilà, c'était juste une bonne journée et je voulais juste la partager avec vous, franchement. Et donc on se voit demain et voilà quoi, tranquille tout doux. Je vous aime, peace. Allez, à demain. Demain, je suis fatigué, il faut que j'aille dormir. Allez, à demain.